Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que j'ai filmé. C'est ça qui me manque, hein, avoir... comment on dit ça? Voyons, c'est quoi le mot? La constance! Il me manque ça, mon dit. Puis, tu sais, j'aime ça faire des vlogs, tout ça, mais on dirait que... c'est ça qui me manque. Puis, c'est ça. Mais tu sais, je vais y aller vraiment, parce que là, cet été, je suis en vacances jusqu'au 20 août. Fait que je vais vraiment y aller selon mon envie. Tout ça, je vais pas me mettre de pression. Mais c'est ça. Voilà. Parce que je voulais vraiment... Il y a un moment donné, je voulais comme vraiment mettre chaque vlog, mettons, un mercredi. Je l'ai fait 2-3 semaines, puis après ça... c'est passé des affaires, j'ai pas vlogué, j'avais pas de vlog, fait que j'ai arrêté. Fait que tu sais, je respecte jamais vraiment mes engagements sur YouTube. Fait que j'arrête de dire, je vais juste le faire, puis il va y avoir des vlogs, tu sais, quand il va en avoir, puis c'est tout. Parce que sinon, ça me stresse intérieurement, là, puis non, c'est ça. Fait qu'on va y aller un vlog à la fois, et c'est ça. C'est ça, parce que je suis pas constante, on dit. On dirait que c'est mon cerveau qui est tout le temps trop plein. J'ai tout le temps trop plein d'idées, puis j'arrive à la fin de la journée, je suis comme oh fuck, j'ai oublié de faire le montage de mon vlog. Fait que là, le lendemain, j'en fais la même affaire, puis le surlendemain, puis là ça fait comme plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est que j'ai filmé un vlog, puis je l'ai jamais mis sur YouTube, fait que je l'abandonne. Fait que je filme souvent, mais j'oublie de monter parce que mon cerveau est vraiment là. Je travaille là-dessus avec ma psy, là, bien honnêtement. Parce que je finis jamais rien. Ben, c'est pas que je finis jamais rien, là, je finis des affaires, là, mais je veux dire, on dirait que dans ma journée, j'arrête jamais. Genre, vraiment jamais, là, c'est rare. Oui, ça va m'arriver là, que je vais prendre, mettons, un après-midi pour me reposer, mais sinon, tu sais. C'est quand même rare que, t'sais, que je prenne des moments, t'sais, pour me reposer, puis tout ça. Je fais plein d'affaires sans arrêt. Sauf que je finis jamais rien parce que je vais commencer quelque chose puis je suis comme ah oui c'est vrai il fallait que je fasse ça, fait que je m'en vais faire l'autre affaire, puis rendu à faire l'autre affaire je suis comme ah oui c'est vrai fallait que je fasse ça dans cette pièce là, fait que là, je m'en vais faire ça dans la, fait que je commence plein d'affaires puis comme puis des fois comme j'oublie de les finir ou que j'arrive à la fin de la journée je suis comme ah oui il fallait que je fasse ça, fait que là je me fais une grosse liste puis j'essaie de finir ça avant de me coucher parce que je veux finir mes affaires, fait que j'oublie de faire du montage, j'oublie ce que je vais filmer quand même souvent, là, bien honnêtement. Mais moi, je trouve que quand ça fait plus que 2-3 semaines que ton vlog est filmé, ben, je suis comme, je vais le laisser tomber, là, puis je vais juste en refilmer un autre, puis à chaque fois, c'est la même petite affaire. Fait que là, je veux moins me mettre de pression, sauf que là, tu sais, je travaille avec ma psy sur des trucs, tu sais, pour que... je sois plus organisée au niveau du cerveau. C'est quand même drôle à dire. Parce que dans la vie, je suis vraiment super organisée. Genre, intense, là. Tu sais, mon budget, il est sur la coche. Tu sais, quand que je travaille, je suis sur la coche aussi. Je suis organisée, nanana. Mais c'est juste mon cerveau, faut que j'apprenne à bien l'organiser. C'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, fait que j'apprends, fait que prochainement, je vais peut-être avoir un cerveau un petit peu plus organisé, fait que ça va faire en sorte que je sais pas, j'arrêterai d'oublier de faire mon montage, parce que c'est ça le problème, c'est pas de filmer, c'est de faire mon montage, ou faudrait que je le donne à je sais pas qui, mais tu sais, comme là, je fais pas d'argent sur YouTube, moi, en ce moment, fait que je serais comme... Sauf qu'en même temps, tu sais, peut-être que ça fera en sorte que je serais plus présente sur YouTube, qu'à un moment donné, je ferais peut-être de l'argent. Peut-être que ça m'amènerait à quelque part donner mon montage à quelqu'un, mais bien honnêtement, j'ai pas envie de mettre de l'argent sur ça maintenant. J'ai plus envie d'organiser mon cerveau pour faire mes affaires moi-même, puis que je sois capable vraiment d'y faire. Voilà. Hey Clara, lâche ton frère, s'il te plaît. Ben, assis-toi sur la chaise. Ou... Ouais, mais ton frère veut s'asseoir dessus. Fait que c'est ça.
je suis vraiment désolée pour mon allure là. C'est une genre de journée comme ça que j'ai zéro envie de m'arranger. J'ai juste envie genre de faire du ménage, arranger ma maison, puis faut que j'aille m'entraîner aussi tantôt là. C'est ce genre de journée là. Il fait comme gris. Il y a des petites éclaircies là, mais il annonce la pluie cet après-midi, fait que ça va être vraiment relax avec les enfants. Il est rendu quand même 1h. On s'est levé. Je me suis réveillée, il était 10h. J'ai niaisé. Clara est venue me retrouver dans mon lit. Il était peut-être 6h30. Elle est comme, hey maman, c'est-tu l'heure de se réveiller? Je suis comme, zéro chance là, que je me lève à 6h30. Fait qu'en fait, elle a pris mon iPad à aller écouter des émissions. Puis moi, j'ai été retombée endormie à côté. Mon fils s'est réveillé, il était 11h. Fait que. C'est ça. On s'est levé. Il est déjà rendu 1h, puis j'ai pratiquement rien fait. Là. Fait que, tu sais. C'est ça. Mais hier, j'ai écouté un film. La raison du pourquoi que j'ai pas été capable de me lever à 6h, parce que j'avais mis mon alarme. Moi, je voulais comme. Tu sais, j'aime vraiment ça, mon petit moment avant que les enfants se réveillent, là, m'entraîner, puis tout ça, puis faire mes petites affaires, sinon. Fait que j'essaie vraiment de me prendre, pas de me prendre, mais de me créer une routine, tu sais, de soir, pour faire en sorte que j'aille ma routine du matin. Mais moi, j'aime ça me coucher vraiment tard, mais j'aime ça, tu sais, me lever vraiment de bonne heure. Sauf que ça peut pas marcher parce qu'à un moment donné, je manque de sommeil. Et là, ben, je viens à faire des crises d'angoisse et ça n'a pas de bon sens, là. Puis de toute façon, j'ai de la misère à faire mes journées, j'ai de la misère à faire plein d'affaires si je suis fatiguée. Fait que moi, j'ai vraiment, il me faut vraiment au moins 7 à 8 heures de sommeil. Fait qu'il faut que j'arrange vraiment, j'essaye vraiment d'avoir une routine du soir plus haute, là. De toute façon, la coach, elle me dirait, si tu veux réussir des objectifs physique, mettons, là, ben faut aussi que tu fasses des changements dans la routine puis tout ça, parce que si tu manques de sommeil, c'est sûr que c'est plus difficile niveau perte de gras, mettons, tu sais, fait que j'essaie vraiment, mais c'est difficile, mais tu sais, je vais petit peu par petit peu, puis à un moment donné, je vais même créer une routine, mais tu sais, je veux pas que ma routine soit ancrée, puis que je sois comme, tu sais, mettons que mon chum me propose de passer une soirée avec moi, je fasse comme, ah non, là, j'ai une routine à soir, là, je peux pas déroger de ça. Je veux vraiment, tu sais, être capable, t'sais, de avoir ma routine, mais tu sais, comme, être capable de sortir de ma routine aussi. Parce que j'aille ça avoir une routine, c'est ça qui arrive, fait que moi, tu sais, si je me mets une routine, c'est vraiment difficile de vivre avec cette routine-là. Fait que, à un moment donné, je m'écœure puis j'abandonne. Sauf que, faut que j'essaye parce que faut que j'organise mon cerveau. Fait que c'est en ayant des petites routines comme ça, tu sais, pas nécessairement organiser ma journée de A à Z, mais tu sais, vraiment avoir des petites routines de soir, des petites routines, tu sais, tout ça, ça va vraiment m'aider à organiser mon cerveau puis. C'est ça. Faut que j'arrête de me faire des listes de genre 50 choses. J'arrive à la fin de ma journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait, puis je me sens vraiment comme une moins que rien. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça. C'est sûr, je suis pas la seule à être comme ça, je peux pas croire. Mais en tout cas, t'sais, j'ai comme plein de projets que j'aimerais faire, puis crime, j'arrête jamais, mais t'sais, comme on dirait, je fais rien. Pis là, on dirait que, tu sais, j'arrive, il est comme 11h le soir, puis je suis encore en train de faire des affaires. Je suis comme, oh mon dieu, je voulais faire ma formation de ci, je voulais commencer à travailler sur ça, je voulais faire ça, puis je suis comme, je manque de temps, là, pour vrai, je manque de temps, mais je crois que c'est juste un manque d'organisation de cerveau. Voilà! Fait que, c'est ça, je pense que ça va être un vlog un petit peu update, en tout cas l'introduction. Mais j'essaie de faire vraiment des vlogs moins longs. Mais je sais pas si ce vlog-là, je vais réussir. Mais c'est ça, j'ai pas fait de vlog dans les dernières semaines, là. Les raisons est que... Ben, sont que, parce que c'est au pluriel. les raisons, c'est que on est allé en vacances, puis je me suis vraiment dit que j'allais rien filmer. J'allais vraiment être à 100% dans mes vacances avec mes enfants, mon chum puis tout ça. Fait que j'ai rien filmé. Mais on est allé à Québec. Puis nous, tu sais, on habite sa côte nord. Fait qu'à Québec, c'est genre 7-8 heures de route. Là. Fait que pour nous, c'est des vacances à la Québec. Mais ouais, on est allé à Québec. On s'est loué une chambre à l'hôtel.
Comment elle s'appelle? Je pense que c'est juste l'Hôtel Québec que ça s'appelle. Tu sais, il y a des jeux d'eau pour les enfants. Puis il y avait des genres de sorties. Ben, pas des sorties, mais tu sais, comme les princesses venaient des fois. Puis il y avait une grosse piscine. Il y avait des jeux. C'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait. On est allé au zoo, c'est à Québec. On est allé à l'aquarium. Tu sais, on est sortis. On en a vraiment profité. C'était vraiment le fun. On est revenu. Dans le fond, à la fin de mon voyage. Durant le voyage, Clara est tombée malade. Mais tu sais, malade, tu sais, on était capable de la sortir, puis tout ça quand même, n'était pas. Tu avais un petit rhume. Mais moi, à la fin de mon voyage, le vendredi, quand on est revenu, j'étais là, littéralement là, à terre, là. À terre. J'ai pas été capable de chauffer. C'était. Mon cerveau était tellement comme ramolli, là. Je mouchais, ça avait aucun bon sens, j'avais full mal à la gorge, c'était vraiment l'enfer pour vrai là. J'avais commencé à avoir mal à la gorge c'est quelques jours avant, j'étais comme « oh, je vais m'en sortir ». Ben non, j'ai tombé malade, j'étais vraiment, c'est ça, quasiment une semaine là, que j'avais de la misère à faire des affaires, j'étais épuisée ben raide. Quand on est revenu là, la semaine après, j'étais vraiment épuisée là, j'avais de la misère à faire mes affaires, c'était vraiment « oh, c'était quelque chose pour vrai là ». T'sais, les enfants y allaient bien. Jasmin, il est jamais tombé malade, mon chum non plus. Fait que c'est bizarre. Il y a juste moi et Clara qui sont tombés malades. Et après ça, la semaine après, ce qui s'est passé, les crises d'angoisse sont revenues. Mais comme des crises d'angoisse, genre vraiment intenses, vraiment grosses. Tu sais, genre de crise d'angoisse que tu crois que tu vas mourir. C'est revenu pendant cette semaine-là. Puis probablement que c'était la fatigue, tu sais, comme accumulée. Parce que, dans le fond, moi, j'ai fini de travailler le 29 juin. Mais tu sais, le dernier mois, là, ça a été vraiment... Mais même la dernière année, là. Mais surtout, le dernier mois, c'était le gros rush, dans le fond, pour finir mes affaires avant de m'en aller. En vacances. Puis la dernière année, ça a vraiment été, tu sais, de rattraper ce que l'entreprise voulait faire depuis des années, mais tu sais, comme, parce qu'ils ont pris vraiment du gros retard, là, parce que là, on est une nouvelle équipe, puis nous, on a comme des plans. Puis, tu sais, ça a été de rattraper, dans le fond, ce que les autres avaient jamais fait avant, tu sais, que nous, on arrive. Fait que j'avais de la job, là, ça avait aucun maudit bon sens. Fait que, tu sais, la dernière année, ça a été épuisant, mais le dernier mois, là, vraiment, je voulais vraiment finir ce que j'avais à faire dans les dernières semaines. Dans les dernières semaines. Avant c'est ça, d'être en vacances. Fait que c'est ça, fait que ça a été vraiment épuisant, puis on est parti, j'ai fini le vendredi de travail, on est parti le dimanche en vacances. Ça a vraiment été, là, épuisant. Je cherche un mot. Mais sincèrement... tu peux pas dire que si tu t'en vas en vacances avec des enfants, tu peux pas dire que c'est des vacances. Tu sais, j'ai dit à Maxime, l'année prochaine, ce qu'on va faire, on va... Oui, on allait en vacances avec les enfants, mais on va essayer de se prendre aussi des vacances juste pour nous. Parce que ça nous a plus épuisés. Tu sais, on veut tout le temps faire des affaires pour occuper les enfants, puis que les enfants soient heureux, puis tout ça. Puis t'arrives à la fin de tes vacances, puis t'es mort. Fait qu'on est parti, on est revenu. Après ça, j'ai été malade, tu sais, pendant une semaine. Grosse fatigue puis tout ça, puis là j'étais arrivée sur une semaine que oh my god, genre la fatigue a comme explosé, puis là comme les crises d'angoisse. J'avais comme tu sais j'avais mal physiquement, j'avais mal à mon bras, j'avais mal tu sais comme j'avais des grosses palpitations. Mais moi j'ai souvent des palpitations en passant là. vraiment souvent, j'avais mal, tu sais ça me serrait ici, j'étais comme je vais mourir d'une crise de cœur. Mais, tu sais, non, là, tu sais, je suis pas morte d'une crise de cœur, là. J'avais des gros reflux aussi. Je me suis comme blessée aussi, où les omoplates, là. Ou je sais pas si c'est mon stress qui a fait en sorte que j'avais mal, là. J'avais vraiment mal, puis ça brûlait, puis j'étais comme, ça y est. Fait que j'étais allée voir sur Internet. Vous savez bien. Puis là, j'étais comme, oh my god, je vais mourir d'une crise cardiaque, là. Ils disent que si ça brûle les omoplates plus vers la gauche, nanana. J'avais le bras gauche qui faisait mal, tu sais, mais je sais que c'est juste de l'anxiété. Puis là, j'en parle, puis j'ai le bras gauche qui commence à... Tu sais, c'est vraiment ça, l'anxiété, là, c'est vraiment tannant. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a plusieurs années, là. J'ai déjà pris de la médication, mais aujourd'hui,
tu sais, pas que je veux pas, tu sais, je jugerai jamais le monde qui prend de la médication puis tout ça, mais j'aimerais m'en sortir sans médication. Ça allait bien durant un an, là, deux ans même, là. Ça faisait vraiment un petit bout, j'avais fait des crises d'anxiété, même que là, j'avais été à l'épicerie avec Clara. Puis genre, j'ai fait une crise d'angoisse à l'épicerie. Ah, puis ça, c'est l'enfer parce que je suis seule avec ma fille, puis c'est comme, hey, go, 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 là, tu sais. Oh, mon Dieu. Je me disais, oh là, je vais tomber dans les pommes, 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 puis là, j'ai juste. Voilà. Bon, fait que le problème est réglé. Mais c'est ça, des grosses crises d'angoisse, puis. Ça a été vraiment l'enfer, puis là. J'en remets petit peu, mais tu sais, comme des crises d'angoisse, ça fait en sorte. En tout cas, moi, que tu fais de l'insomnie, que tu dors moins. Fait que j'étais encore fatiguée la semaine passée. Mais la semaine passée, j'allais bien. J'allais encore mieux. Ben, j'allais encore mieux. Tu sais, mes crises d'angoisse, ça en est quand même bien. Puis après ça, ben là, cette semaine, ça va bien. Tu sais, j'ai comme des petites rechutes des journées. Je suis comme, aïe, j'ai mal dans le bain, dans le sein gauche. Tu sais, je suis comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais. Je le sais que je vais pas mourir d'une crise cardiaque. Puis au pire, si je meurs d'une crise cardiaque, c'est. Tu sais, j'ai aucun contrôle. Tu sais, je veux dire, je mourrai, là, tu sais. Je me dis ça au fond, mais tu sais, comme, au plus profond, je suis comme, oh my god, là, je vais mourir. Oh là, si. Là, mes enfants pourront plus me voir. Oh là, mon chum va être tout seul. Ah, puis là, tout le monde va être triste. Ah, puis là, moi, je pourrais plus vivre ma vie. Je vais mourir en n'ayant rien fait. Pas avoir fait de mes projets. Non, non, non. C'est ça ma tête à tourne tout le temps. Fait, Clara, c'est normal, t'es sur un sac, mon amour. Fait que voilà. Fait que là, on est rendu aujourd'hui. mon chum travaille. J'ai plein de ménage à faire. Mes enfants, ils ont l'air fatigués aujourd'hui, là. Ils sont de mauvaise humeur. Fait que je vais les laisser jouer encore un petit peu. Après ça, je vais aller les coucher dans à peu près une heure, ben 45 minutes, une heure, vers deux heures. Je vais faire ma vaisselle, j'ai du lavage, j'ai du petit tri à faire. J'ai des choses à vendre que j'aimerais vendre sur comment ça s'appelle? Vinted. Fait que c'est ça. Fait que allez voir sur mon Instagram, au pire, je fais une petite une bulle genre... Vinted, puis je vais comme mettre mon lien au pire, puis mettre mes photos de choses à vendre. Mais ouais, c'est ça. J'ai vraiment, parce que j'ai des choses qui m'ont coûté vraiment cher. Tu sais, moi, je suis du genre à prendre le sac et à le porter au centre de dépannage, mais pour vrai, il y a vraiment des choses qui m'ont coûté cher, que j'aimerais me faire un petit peu d'argent dessus, au moins. Tu sais, j'ai beaucoup de linge, mettons, de moi, d'enfants, de petites filles, de petits gars. J'ai des accessoires aussi, tu sais, puis j'ai pas fini mon tri dans mes affaires, là. J'ai quand même beaucoup de choses à faire, ben à trier, là, fait que c'est ça, puis fait que ça va être ça ma journée aujourd'hui. Puis après ça, je sais pas ce que je vais faire demain, il annonce encore la pluie, mais tu sais, faut que j'aille chez mes grands-parents, là, cette semaine. Eux autres sont partis dans le fond, Ils sont partis aujourd'hui, ils reviennent mercredi, ils sont partis dans le coin de la Gaspésie, là, parce que c'est ça, ils ont des une situation familiale difficile. Ben je peux le dire dans le fond, là, le frère de mon papy, il va comme plus ou moins bien, là, fait que là, ils sont allés le voir. Bravo mon Jack, tu ramasses! Il ramasse son déjeuner, que c'était son dîner finalement, que j'ai pas ramassé parce que j'ai pris ma caméra puis j'ai filmé. Mais là, je vais aller ramasser ça. C'était beau! Fait que ouais, fait que c'est ça mon petit life update. Je vais mieux. Je suis moins fatiguée. Fait que, tu sais, je crois que les vlogs, ça va revenir. Mais, tu sais, c'est ça, là. Ça a vraiment été de la fatigue, les vacances. Après ça, j'ai été malade. Après ça, j'ai eu des crises d'angoisse en à côté. Mais là, je vais mieux. Puis ça a été aussi beaucoup le travail, tu sais. Travail. Dans la dernière année, ben, depuis que j'ai commencé en septembre l'année passée,
mon fils avait comme 5 mois, puis ça a été vraiment difficile, là. Ça a été... oh, attendez. Jasmin, laisse ça là. Bravo, Coco! Ouais! Je vais ramasser les papas. Fait... Bravo, mon amour. Fait que... C'est ça, fait que... Tu sais, c'est vraiment... Je vais me répéter encore, mais c'est de... C'est de réorganiser mon cerveau pour que je sois capable de faire plein de choses que j'aime et arrêter de me dire que le ménage, c'est la chose la plus importante. Mais ça, je travaille avec ma psy aussi. Là. Il y a un petit problème là, de ménage. Je vais être en train de travailler à mon ordi parce que je travaille à la maison. Là. Puis je vais faire comme oh, ma vaisselle, mon lavage, ci, ça, ça. T'sais, je vais juste penser à ça. Puis, mais tu sais, comme là, avant, je vais être bien honnête. Je vais être bien honnête, avant, t'es fatiguée. Tu peux aller donner le sac de la pâte patrouille à ton frère, s'il te plaît? Il est pas capable de l'ouvrir. C'est quoi, je dis? Ah oui, je vais être bien honnête, là. Il y a, fait quoi, 7 mois que je vois ma psy. Et... Pour être honnête, je jouais ou je sortais avec mes enfants et j'étais jamais capable d'être dans le moment présent juste avec mes enfants. Puis je pensais juste à oh, mon ménage, mon ménage, mon ménage, mon ménage. Puis quand je travaille, c'est genre mon ménage, mon ménage, mon ménage. Puis quand je fais du ménage, je suis comme ah oh, oui, c'est faut que je fasse ça, 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 ça. Mais j'arrêterai jamais mon ménage pour faire ce que j'ai envie de faire vraiment. Mais parce que j'aime ça faire du ménage, je trouve ça relaxant, ça occupe mon esprit, j'ai pas à réfléchir tout le temps. Mais tu sais, comme, on travaille là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose, là, c'est vraiment... Clara, tasse-toi, s'il te plaît. Mon fils, là, c'est un crieur professionnel. Oui, maman, termine de parler puis je m'en viens, d'accord? Fait que c'est ça, ça vraiment, c'est même plus ce que je disais. Ah oui, c'est ça, fait que j'ai un problème avec ça, mais tu sais, je travaille, mais tu sais, aujourd'hui, je suis fière de le dire, je suis maintenant capable. Clara, j'aimerais ça que tu me laisses parler, s'il te plaît. Je suis maintenant capable d'être assise avec mes enfants ou de sortir avec mes enfants, d'être dans, 100% dans le moment présent. Je me souviens que ma psy, elle m'avait dit, je m'excuse, là, c'est la guerre tout le temps ici. Je me souviens que ma psy m'avait dit, tu sais, des enfants, là, ça grandit, tu vas jamais pouvoir revenir en arrière puis vivre les moments, tu vas jamais pouvoir revenir à ce que tu vis présentement. Fait qu'elle a dit, profite-en, parce que plus tard, tu vas le regretter. Puis cette phrase-là, là, je me souviens, elle m'avait fait pleurer, puis j'étais comme, à partir d'aujourd'hui, là, mes enfants, là, c'est le plus important, puis faut que j'arrête. Tu sais, oui, c'est... Des fois, je vais me dire, je vais comme me rappeler des choses. Ah oui, après, il va falloir que je fasse ça, 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 mais c'est plus aujourd'hui, genre. Ah, mais là, tu sais, être assez à terre à jouer avec mon enfant, là, genre, je perds du temps, nanana. Non, c'est plus ça, là. Tu sais, c'est vraiment. C'est ça. Fait que voilà, hey, je pense que ça va être juste un genre de life update. Je vais fermer la vidéo ici. Et on se revoit très bientôt dans un prochain vlog, je vous le promets. Et un gros merci d'avoir écouté. Moi, je m'en vais m'occuper de mon fils. Je pense que il sent encore trop la chicane. Ok, bye. Merci beaucoup.